Shalom Bracha, les amis, Bezrat Hashem, un très bon Shabbat pour tous, avec beaucoup de Bracha et d'Atzlacha. Bissot Rabbeinu, Tzadik Yesod Olam, Bezrat Hashem. Alors Rabbeinu, il dit que quand Mashiach va venir, il va raconter à chacun, à chacune, tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, chaque détail. Maintenant, pourquoi il va lui raconter ça? Parce qu'il a besoin de raconter des choses, parce qu'il va lui montrer qu'en fait, tout ce qu'il a vécu, c'est que du service divin, c'est tout. Seulement, il n'était pas conscient. Il va arriver un moment où tout ce qu'on a vécu dans notre vie, ça va être recyclé dans le service divin. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu, à tous les niveaux, que ce soit au niveau professionnel, familial, émotionnel, amical, social, tout. Tout, en fait, c'est que servir Hachem, c'est tout. C'est-à-dire seulement, on n'est pas conscient de tout ce qui se passe. Mais Bémet, on ne fait que servir Hachem, c'est tout. Et à un moment, on va se rendre compte de ça, que sauf Maasev et Marchavatrila, qu'en fait, la pensée primaire d'Hachem, qui voulait que tout le monde le serve, en fait, il n'y a que ça dans le monde. Tout le monde ne fait que servir Hachem. Bézat Hachem, qu'on en soit conscient, et qu'on soit joyeux, et qu'on fasse le maximum, Bézat Hachem, pour la gloire d'Hachem. Be'atzlacha, Shabbat Shalom, mes amis.